Alors, La rivière à l'envers, c'est mon quatrième roman, jeunesse. Et les trois premiers étaient des romans assez durs, finalement, si j'y repense. Et on me disait, ils sont bien, mais voilà, il y a toujours des enfants en difficulté, ce sont des choses assez dures. Et c'était vrai. Et quand est venu le moment d'écrire mon quatrième roman, je me suis dit que j'allais m'offrir des grandes vacances et que j'allais écrire un roman d'aventure. Dans la grande tradition des romans d'aventure, avec un héros qui traverse des paysages immenses et qui est confronté à des épreuves qu'il surmonte éventuellement, etc. J'avais lu peu de temps avant un roman allemand de Michael Ende qui s'appelle Jim Knopf, que j'ai traduit en français. Et ça m'a donné aussi des idées sur cet univers merveilleux, avec une tonalité très claire. Et donc c'est ce que j'ai entrepris. Je me suis dit, je ne vais pas réinventer la littérature, je veux vraiment entrer dans la tradition des grands romans populaires, des romans d'aventure. Et c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai écrit à 80% dans les trains, ce roman-là. J'avais mes cahiers à spirale, j'écrivais dessus. J'écoutais de la musique qui allait avec. Et je garde un souvenir un très beau souvenir de ce temps d'écriture qui a duré 6 ou 8 mois. Dans les trains, sur mes cahiers. Et aujourd'hui, donc, des années ont passé, et j'ai écrit d'autres romans depuis, j'en ai écrit 15, mais ce roman-là, La rivière à l'envers, qui est mon quatrième, tient une place vraiment centrale, parce qu'il est celui qui me vaut le plus de retours de lecteurs, plus de mails, plus de courriers papier, le plus de témoignages de gens que ça a touché, qui l'ont aimé, que ça a accompagné. Et pour vous dire la vérité, je pense que ce roman m'a un peu dépassé. Il vaut mieux que moi. Je vaux moins que le roman que j'ai écrit. Au point que je n'hésite pas à en dire beaucoup de bien. Je dis La rivière à l'envers, c'est génial, non, ce chapitre, etc. Ce que je ne me permettrai pas avec les autres romans. C'est comme si ça n'était pas moi qui l'avais écrit. Comme s'il m'avait été un peu donné. Enfin bref, si ma maison brûle et que je n'ai pas le temps de réfléchir et que je dois sauver un seul de mes romans, peut-être bien que ce serait La rivière à l'envers. Le sujet de La rivière à l'envers, c'est un jeune garçon qui a 13 ans. Ça se passe autrefois, hein. Ça n'est pas précisé, mais c'est autrefois. Dans un temps où il n'y avait pas de téléphone, ni de voiture, ni de téléphone portable. Et ce garçon, il tient l'épicerie de son village. Et il rêve de partir, de voir le monde. Et entre une jeune fille qui a son âge, dont il tombe immédiatement, complètement et définitivement amoureux, comme il est dit dans le texte. Et elle lui demande... il faut dire d'abord que dans son épicerie, il vend tout. Il vend tout, absolument tout. On est dans le conte. Hein. Et cette fille lui demande l'eau de la rivière Jarre. Et lui, ça, il n'a pas, il ne sait pas ce que c'est. Elle lui dit, c'est l'eau qui empêche de mourir, vous ne le saviez pas? Et non, il ne savait pas, il n'en a pas. Et la fille s'en va, et il va tourner en rond dans son magasin pendant une petite semaine et partir pour retrouver cette fille et pour retrouver cette rivière Kjar qui coule à l'envers et dont l'eau empêche de mourir. Et c'est ce qui va le lancer dans ce voyage immense qui va durer plus d'un an.